Bonjour, je me trouve ici à Bruxelles dans le quartier européen devant un monument qui passe presque inaperçu et qui est pourtant extrêmement violent. C'est le monument aux pionniers belges au Congo. Léopold II a dissimulé le pillage du Congo derrière des prétextes humanitaires, comme si la mission des Belges était, et je cite, d'apporter la civilisation, d'évangéliser et de mettre fin à l'esclavage. Alors, ces trois termes, on les retrouve partout dans le discours colonial, on les retrouve dans les textes, on les retrouve dans des statues comme celle-ci, et on les retrouve encore aujourd'hui dans le récit collectif de ce pays. L'enjeu de la décolonisation de l'espace public, c'est de corriger ce récit et d'identifier clairement ce qui relève de l'histoire et ce qui relève de la propagande. On va donc voir comment ces trois grands prétextes de Léopold II s'expriment dans un monument. La femme blanche qui domine la scène, c'est la Belgique, avec dans sa main le flambeau de la civilisation. À ses côtés, il y a une femme noire qui lui confie un bébé dans un geste de soumission et une légende, la race noire accueillie par la Belgique. À l'opposé, tout en bas du monument, il y a un homme nu accompagné d'un crocodile, c'est le fleuve Congo qui incarne la sauvagerie. Le fleuve Congo regarde en direction d'un personnage barbu entouré de militaires, c'est Léopold II. Et au-dessus de la scène centrale, il y a cette phrase « J'ai entrepris l'œuvre du Congo dans l'intérêt de la civilisation et pour le bien de la Belgique. » Le deuxième prétexte, c'est évangéliser. Alors ici, un groupe de Congolais est amené de force vers le roi par deux explorateurs et un chien. Le cortège passe devant un missionnaire muni d'une croix et les Congolais semblent accueillir avec gratitude la foi chrétienne. Le troisième prétexte, le plus cynique, c'est de mettre fin à la traite esclavagiste. Un soldat belge écrase la tête d'un homme en turban et en légende, il est marqué « L'héroïsme militaire belge anéantit l'arabe esclavagiste ». Arabe, c'est le nom donné à l'époque par les Belges aux musulmans d'Afrique orientale qui contrôlent le commerce d'esclaves et d'ivoire sur une partie du territoire congolais. Léopold II les a affrontés militairement pour avoir le contrôle intégral du Congo et pas pour des raisons humanitaires. D'ailleurs, l'argument s'effondre complètement quand on voit qu'il met en place un système de travail forcé et de répression. Sur la légende, le mot arabe a été effacé. Et on est à deux pas de la grande mosquée de Bruxelles, qui était un bâtiment qui a été offert par le roi Baudouin au roi Faisal d'Arabie Saoudite en 1967 pour sceller des accords commerciaux. Et à la demande des autorités de la mosquée, on a supprimé le mot arabe, ce qui prouve une chose, c'est que quand l'intérêt de l'État l'exige, on agit sur les traces du passé colonial. Ce monument est de toute évidence un objet de propagande, il déforme la réalité en présentant les Noirs comme des êtres inférieurs et les Blancs comme des bienfaiteurs pour légitimer la colonisation. Ce n'est donc en aucun cas un support de l'histoire, mais bien le support d'un récit dangereux qui est toujours vivant dans la mémoire collective et qu'il convient de traiter de toute urgence, tout comme ce monument.